C'est Chris Horton cette fois-ci qui a récupéré le ballon et ça remonte très vite. Ça joue vite, attention. Sur Jérémy Sanglard justement. Lucas Dussoulier. Ah, c'est bien. C'est lui qui avait le plus gros temps de jeu, le meilleur marqueur de l'équipe. Il tourne à peu près à 16 points de moyenne. On va voir s'il peut faire la différence tout de suite. Et là, la balle. Et ça y est, il marque déjà ses deux premiers points. S'il l'avait mis là, j'aurais dit mais non, c'est pas possible. Bon, il est humain, il a quand même raté quelques shoots. Jérémy Sanglard. Benjamin Séné. Il passe. Ça, bien. Oh, très joli. Ça met de l'ambiance dans cette salle de la Halle Carpentier. Il n'y a que 2000 spectateurs, mais croyez-moi, il y a de l'ambiance dans cette salle. Alors imaginez, en septembre 2023, Paris Basketball va déménager dans sa nouvelle arène à Port de Marcel Kupan qui va s'intercepter par. Christian, vous disiez de loin, c'était impressionnant, c'était encore plus impressionnant de près. Ah. On a vu Pascal Danetti vraiment bondir. Kylo Quinn, quel personnage. Benjamin Sen qui est précieux, hein, qui fait un très bon match. Allez, Lee Johnson qui s'appuie sur Luke Fischer. Bon tir, ça pour Benjamin Sen. Oh là là, il tremble pas.